الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Mes très chers frères, mes très chères sœurs, le récit qui nous intéresse aujourd'hui est un récit rempli d'enseignements, mettant en lumière la détermination et la volonté d'un homme, un des grands savants de l'islam. Et il s'agit de Baqi Ibn Makhled, Al-Andalusi. Et comme son nom l'indique, il est d'origine andalouse, cette région du sud de l'Espagne. Car rappelez-vous, l'Espagne fut musulmane durant 7 siècles. Son surnom était Abu Abdirrahman et c'était un hafiz, un grand mémorisateur de hadith, un grand mémorisateur de récits prophétiques, et c'était également un mufassir, un spécialiste dans l'explication des versets du noble Coran. Il est né dans la ville de Cordoue, Qurtuba en arabe, autour de l'an 201 de l'Hégire. Et il est mort en 276, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et il est mort également dans cette ville. Mais pourtant, c'est une personne qui a voyagé. Qui a voyagé dans la quête du savoir religieux. Il a voyagé à pied. Et c'est quelque chose qu'il faut noter. Il a voyagé à pied de l'Andalousie jusqu'à Bagdad, en Irak. Il a donc voyagé sur 3 continents. Il est parti d'Europe, a traversé l'Afrique du Nord pour se rendre en Asie, dans le golfe Persique. Et lorsqu'il a entrepris cette quête, ce périple, il avait autour de 20 ans. Et ce périple qui lui a permis, par la grâce d'Allah, de rejoindre Bagdad, a duré près de 5 ans, durant lesquels il a parcouru près de 7500 kilomètres. Près de 7500 kilomètres à pied. Son souhait était de rencontrer l'imam Ahmed, Ahmed ibn Hanbal, l'illustre savant. Baqi ibn Makhled était déterminé à acquérir le savoir religieux. On raconte dans sa biographie qu'il a eu dans sa vie près de 300 professeurs. Il a pris la science, il a reçu le savoir religieux grâce à Allah auprès de 300 savants. Rentrons dès à présent dans le vif du sujet. Après avoir traversé l'Afrique du Nord, ce qui lui prit de nombreux mois, car n'ayant pas d'argent, il s'arrêtait pour travailler là où il le pouvait, afin de reconstituer son stock de provisions. Donc, au terme de ce long voyage, il est enfin arrivé à Bagdad. Et il nous dit: lorsque je suis arrivé
dans les alentours de Bagdad, l'information de l'épreuve que subissait l'imam Ahmed m'est parvenue. En effet, le gouverneur de l'époque, et j'ouvre une parenthèse, le gouverneur de l'époque était déviant dans sa croyance en Allah. C'était un innovateur, un mubtadi', et il avait fait subir à l'imam Ahmed de nombreux préjudices. L'imam Ahmed avait été déporté, enchaîné, fouetté, emprisonné, battu, calomnié, etc., etc. Et à la fin, il était cloîtré chez lui et il avait interdiction d'enseigner. Il avait interdiction d'enseigner la croyance authentique, l'islam véritable. Donc, Baqi nous dit, lorsque je suis arrivé dans les alentours de Bagdad, l'information de l'épreuve que subissait l'imam Ahmed m'est parvenue. Je fus frappé par un grand désarroi suite à cette nouvelle. J'arrivais donc à Bagdad et directement après avoir déposé mes affaires dans un gîte que j'avais loué, je me dirigeais vers la grande mosquée afin d'intégrer un cercle de science et écouter ce qui s'y enseignait. J'ai rejoint une noble assise dans laquelle un homme enseignait. Il critiquait ou faisait l'éloge de certains rapporteurs de hadith et de certaines personnes de science. Je questionnais donc mon voisin sur l'identité de cet orateur. Il me répondit que l'homme en question était Yahya ibn Ma'in, un des grands savants de l'islam, un des grands savants de Bagdad à cette époque. Je vis au loin, nous dit Baqi, je vis au loin une place qui se libéra près de lui. Je me levai donc et m'approchai. Et m'adressant à lui, je lui dis, Ya Aba Zakariya, ô Abu Zakariya, Rahimakallah, qu'Allah te fasse miséricorde. Je suis un étranger venant de très loin. Et je te demande de ne pas rejeter les questions que j'ai à te poser. Il me répondit, parle, je t'écoute. Je le questionnais donc au sujet de certains rapporteurs de hadith que j'avais rencontrés. Il fit les éloges de certains d'entre eux et mit en lumière les erreurs de certains autres. Ma dernière question concernait Hisham ibn Ammar, de qui j'avais appris de nombreux hadiths. Il me répondit, Abu al-Walid, Hisham ibn Ammar, est une personne qui prie beaucoup, un grand prieur, et c'est une personne digne de confiance. Et mieux encore, s'il faisait preuve d'un peu d'orgueil, ce ne serait pas un mal pour lui, tellement il est bon et noble. Les personnes présentes dans cette assise s'écrièrent, ça suffit pour toi, qu'Allah te fasse miséricorde. D'autres personnes ont également des questions à poser. Laisse-nous la place. Alors que j'étais encore debout, nous dit Baqi, je dis, il me reste encore une question.
Que dis-tu d'Ahmed ibn Hanbal? Yahya ibn Ma'in me dévisagea avec stupéfaction, étonné par ma question. Et il me dit, mais qui suis-je moi, ainsi que mes semblables? Qui sommes-nous pour juger Ahmed ibn Hanbal? Cet homme est l'imam des musulmans, l'un des meilleurs d'entre eux. Bakri poursuit en disant, je partis donc à la recherche de la demeure de l'imam Ahmed. On m'y emmena, je frappai à sa porte, il ouvrit, sortit et me regarda attentivement, car il ne me connaissait pas. Je lui dis, Ya Aba Abdillah, ô Abu Abdillah, qui était son surnom, je suis un étranger. C'est la première fois que je viens dans ce pays. Je suis un étudiant en sciences du hadith et je retranscris la sunna. Et je n'ai voyagé que pour te rencontrer. Mon voyage n'avait pas d'autre but que celui-ci. Il me fit entrer chez lui afin que personne ne nous voie, puis me questionna sur mon origine. Je lui répondis, je viens du fin fond de l'Ouest. D'Afrique du Nord ? Me demanda-t-il. Je lui répondis, d'encore plus loin, car pour arriver en Afrique du Nord, je dois traverser la mer. Je viens d'Andalousie, du sud de l'Espagne. Il me dit, tu viens certes d'une contrée lointaine et j'aurais tant aimé satisfaire ta demande. Mais malheureusement, je suis touché par une épreuve qu'on t'a certainement racontée. Je lui dis qu'effectivement, j'étais au courant. Mais je rajoutais, « Ya Aba Abdillah, ô Abu Abdillah, ceci est ma première visite dans cette contrée. Personne ne me connaît ici. Si tu m'autorises, je viendrai tous les jours déguisé en mendiant. Et arrivé devant ta porte, je crierai, « El Ajr, Rahimakumullah !» La récompense, qu'Allah vous fasse miséricorde, qui était la formule qu'utilisaient les mendiants, les nécessiteux, pour motiver les gens à leur donner de l'aumône. Et tu sortiras sur le pas de ta porte, tu m'enseigneras ne serait-ce qu'un seul hadith par jour, et ça me conviendra. Il accepta et fixa comme condition que je ne participe à aucun cercle de science, que je n'assiste à aucune assise d'apprentissage, afin de ne pas être reconnu et dénoncé par qui que ce soit. J'acceptais sa condition. Je prenais donc chaque matin, un bâton dans ma main, comme le font les gens affaiblis et les personnes âgées. Je mettais un turban poussiéreux fait d'un tissu très médiocre. Je mettais ma feuille et ma plume dans ma manche et j'allais devant chez lui en criant « El Ajr, Rahimakumullah, la récompense, qu'Allah vous fasse miséricorde. » Il me faisait entrer, fermait la porte derrière moi et m'enseignait deux ou trois hadiths, parfois plus, et ce, chaque jour. Et j'ai appris de lui pas loin de 300 hadiths,
pas loin de 300 récits prophétiques. Et je continuais ainsi jusqu'à ce que meure le gouverneur qui lui avait fait subir tant de mal. Et lui succéda un nouveau calife qui, lui, suivait la voie authentique, la voie de la sunna. Et son nom était Al-Mutawakkil. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Après l'arrivée de ce nouveau gouverneur, l'imam Ahmed fut honoré. Et sa réputation prit de l'ampleur. Et les gens l'élevèrent à un haut degré. Il redevint une référence pour tous. Les gens se déplaçaient pour le rencontrer. Mais il n'a jamais oublié ma patience et mon endurance. Il n'a jamais oublié ma patience et mon endurance. Aussi, lorsque je venais à son cercle de science, il me réservait une place et me permettait de me rapprocher de lui. Et il disait aux étudiants en sciences présents dans l'assise en me désignant cet homme-là que vous voyez, lui véritablement mérite cette appellation d'étudiant en sciences. Et il leur racontait mon histoire. Il me dictait des hadiths d'une voix douce et nous échangions au sujet de la sunna. Un jour, je fus gravement malade, au point où je sentis la mort s'approcher de moi. Ne m'ayant pas vu lors de son assise et interrogeant à mon sujet, il fut informé de mon état. Il se leva directement, lui et les gens qui participaient à son assise. Et alors que j'étais allongé dans la chambre que j'avais louée et je ne possédais qu'un matelas et l'habit que je portais et mes livres étaient placés près de ma tête, tout d'un coup, j'entendis le gîte trembler de toutes parts et des gens s'écrier : regardez qui est là ! Regardez qui est venu ! C'est l'imam des musulmans en personne. C'est l'imam Ahmed. Le propriétaire du gîte s'empressa de venir me voir et me dit: Abu Abdillah, Ahmed ibn Hanbal, l'imam des musulmans se dirige vers toi afin de te rendre visite. Il entra, s'asseya près de ma tête. Et la pièce fut pleine, à tel point qu'elle fut trop étroite pour accueillir ce grand nombre de personnes qui avaient accompagné l'imam. Ils étaient debout, la plume dans la main, prêts à noter tout ce que dirait l'imam Ahmed. Et les seules paroles qu'il m'adressa furent « Ya Aba Abdirrahman, ô Abu Abdirrahman !» qui était le surnom de Baqi ibn Makhlad. Je t'annonce la bonne nouvelle qu'Allah te récompensera pour les jours où tu fus en bonne santé et ces jours dans lesquels tu es touché par la maladie. Qu'Allah te guérisse de sa main droite guérisseuse. Qu'Allah te guérisse de sa main droite guérisseuse. Je vis tous les étudiants présents retranscrire fidèlement ses paroles, puis ensuite il sortit et ils le suivèrent. Depuis ce jour, les propriétaires du gîte
firent preuve d'une extrême bonté et de miséricorde envers moi. Ils me servaient par crainte d'Allah, mais aussi par la reconnaissance que j'avais acquise grâce à la visite de l'imam Ahmed. On m'apporta des draps, des couvertures, des repas délicieux. Ils me soignèrent encore mieux que ma propre famille si j'avais été chez eux. Et tout ça grâce à cette visite de cet homme pieux, l'imam Ahmed. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Baqi ibn Makhled est retourné ensuite parmi les siens dans son pays en Andalousie et il y est devenu un immense savant qui a propagé l'islam authentique, le Coran, la Sunna, d'après la compréhension des pieux prédécesseurs. Et dans ce récit que nous venons d'entendre, il y a de nombreux enseignements, d'immenses enseignements pour celui qui prête attention. Et la question qui nous intéresse maintenant, c'est de savoir où on en est, nous, vis-à-vis de notre apprentissage et de notre diffusion de cette religion qu'est l'islam. Où on en est? Et on a, dans l'exemple de nos pieux prédécesseurs et des tout premiers croyants qui étaient fidèlement cramponnés à la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on a dans leurs exemples, de quoi méditer et agir. Qu'Allah nous facilite, qu'il nous guide, nous pardonne nos péchés. Wa sallallahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alameen.